mais je sais que t'aimes bien les nouvelles musiques de Lily Rose, mais c'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Non, mais j'aime bien. Et puis qu'est-ce que tu fais chez nous là? Bah justement, je venais te chercher. Lily Rose, t'es où? Ah, mais t'es là. Oui, je suis là. Regarde qui est là. Mais oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Elle met la musique à fond. Alors qu'est-ce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Comment ça, une bonne nouvelle? Vous cherchez quoi? Oui, pour vous montrer ma nouvelle maison. En fait, c'est pas une maison, c'est un château. On s'en fiche de ta nouvelle maison. T'as acheté un château? Oui, dans ma nouvelle forêt. Dans la forêt? Oui. Alors, que je vous explique. Non, mais c'est... Non. Tu connais Jérémy? Bah oui, Jérémy, mec. Bah, il y est déjà. Lui. Comment ça? Ah, c'est pour ça, ça fait une semaine que Jérémy répond plus aux messages. Ah, mais bah oui, il est dans mon château. T'as réussi à. Oula, ben non, on va. Je vais faire partir chez lui comme on ça. Va, on, va pas, aller. On va pas te suivre dans son château. Je bah, vous si, y moi, emmène. Vais, non, ça non. va être trop bien, il y a Jérémy en plus. Non, mais Lily Rose, tu vas pas y aller avec elle. Et toi aussi. Mais non, mais moi je viens pas, Lily Rose n'y va pas. Mais allez. Si, Lily Rose n'y va pas. Oh là là. Non, mais Lily Rose. Mais quoi? Il faut que j'appelle Peppa Pink. Peppa Pink, Lily Rose, elle veut partir avec la sorcière dans son nouveau château. Mais non, partez pas. Lily Rose, reviens. Non. Oh, c'est pas possible. Bon, les amis, salut à tous. Je vous ai même pas dit bonjour. Bon, vous savez que Lily Rose a sorti sa nouvelle musique et la sorcière, elle est fan. Elle est fan de la musique. Elle est tout le temps. C'est ton anniversaire. À donf avec les frères. J'espère que vous aussi vous êtes fan. Mais la sorcière, elle abuse. Elle la chante tout le temps. Elle vient tout le temps chez nous avec l'enceinte et tout. Bon, moi je devrais m'inquiéter parce que Lily Rose, elle est partie avec la sorcière. Non, mais j'ai pas rêvé. Et c'est quoi ce nouveau château? Comment la sorcière a eu de l'argent pour acheter un château? Je comprends plus rien. Oh, les amis, il faut que j'aille dans la forêt et il faut que je me renseigne sur ce chat. Ah bah, la sorcière, elle est partie avec Lily Rose. Bah oui, j'ai vu partir avec Lily Rose. Qu'est-ce qui se passe là? Apparemment, elle est partie dans la forêt, elle a acheté un nouveau château. Comment ça? Et apparemment, Jérémy est déjà là-bas. T'aurais pas pu me le dire, Esteban? Je vais téléphoner à Jérémy, je vais essayer de lui donner rendez-vous. J'espère qu'il va me répondre. Et si c'est ça, on se retrouve avec Jérémy dans la forêt et on va chercher ce château. Par contre, dans cette forêt, il faut traverser de l'eau. Il y a une rivière. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite. Les amis, j'ai retrouvé Jérémy. Enfin. Ça fait une semaine que je suis perdu en plus. Ah, ça fait une semaine que t'es perdu, ouais. Toi aussi. Mais moi, ça fait une semaine que je suis ici. Ça fait une semaine que t'es dans la forêt. Mais oui, j'ai plus de téléphone. Parce que là, regardez les amis, pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez qu'on a l'habitude d'aller dans la forêt. Oh, là, on s'est enfoncé à fond dans la forêt. On a même trouvé un ruisseau, etc. Il y a personne. On n'arrête pas d'entendre des bêtes. Tout à l'heure, on a même vu un serpent. Et ça, c'est vrai, si on en revoit, on vous filmera. La sorcière m'a envoyé un message en me disant rendez-vous ici. Et on est pile à cet endroit-là. Et il commence à pleuvoir. Ouais, il commence à pleuvoir. Oh punaise. Bon, là, les amis, on peut plus avancer. Regardez. Le point de rendez-vous est un peu plus loin. On devait aller jusqu'ici. On doit encore continuer là-bas. Donc là, on n'a pas le choix. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un bateau ou fabriquer un radeau pour essayer d'aller dans l'eau. Vas-y, on essaie de trouver un bateau ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que Lily Rose est par là. J'espère que la sorcière a pas caché Lily Rose trop loin dans la forêt. Parce que sinon, ça va être une galère. Attends, j'entends des gens au loin. Vas-y, c'est quoi? Il y a un saut. C'est quoi ce saut? Je sais pas. Vas-y, prends-le pour voir. Ouvre-le. Vas-y. Oh, attends. C'est un bateau là. Jérémy, il y a un bateau. Il y a un bateau. Il y a des trucs dedans. C'est quoi? Je sais pas. Bon, vas-y, prends-le. On sait jamais, ça tombe, c'est de la nourriture. Attends, mais t'entends pas un bruit là? Si. Attends, mais c'est une tribu? Je crois. Mais c'est quoi ce truc? Attends, viens, on se cache. Non mais les amis, on est tellement profond dans la forêt. Oula, je me suis pris l'arbre. Et on est tellement profond dans la forêt qu'il y a une tribu de gens qui vivent dans la forêt. Faut pas qu'on se fasse. Non mais c'est quoi ce délire? Tu penses que c'est parce que... Non mais attends, je vais pas les filmer parce que... Tu penses que c'est parce qu'on a pris le saut? Non mais le saut, ça se voit que c'est un truc que la sorcière a déposé ici. Hein. Bon, les amis, on va essayer de retrouver Lily Rose. On sait pas à quel point elle est profonde dans la forêt. Mais bon. Moi déjà, je suis content, j'ai retrouvé Esteban, c'est déjà ça. Ouais, parce que non mais toi, la sorcière, elle t'a jeté le sort du coup il y a une semaine. Et t'as terminé ici. J'ai vu 5 fois la lune, donc ouais, ça doit faire une semaine. Ouais, regardez, il y a des montagnes et tout, c'est super galère. Avant de commencer, à vous montrer, j'ai marché au moins 2 heures à partir de la forêt où on est d'habitude. Enfin, c'est infernal. Bon, regardez. Bon, vas-y, on prend le bateau. Je crois que la tribu s'est calmée. Allez, regardez. Allez, hop. Regardez, les amis, c'est de l'eau partout. Donc, vas-y, monte dedans. Je vais à l'arrière, tu vas à l'avant. Vas-y. Allez, vas-y. Let's go, on fait ça. Franchement, j'espère qu'on va pas trop galérer. Au moins maintenant, on a un bateau pour retrouver Lily Rose. C'est toujours ça de prix.
Allez, let's go. Vas-y, prends mon sac, mets-le derrière. Dedans, j'ai pris de la nourriture et tout, au cas où. Hein. Parce que j'ai... la sorcière, dans son message, elle a dit que l'Hiros était très loin, donc j'ai prévu de quoi. Passe-moi la pagaie, s'il te plaît. La pagaie? Ouais. Allez, vas-y. Hop. Tiens. Donc les amis, nickel. Suivez bien jusqu'à la fin, parce que là, à mon avis, on va vivre une aventure de fou pour essayer de la retrouver. Et je vous jure qu'on rentrera pas tant qu'on n'aura pas trouvé l'Hiros. Allez, c'est parti. Et si on revoit un serpent, on vous filme ça. Les amis, en direct du bateau, on n'arrête pas de se coincer dans les rebords. Regardez, il y a Jérémy qui est là. Ouais. On n'arrête pas de pagayer. Et regardez, on voit peut-être un indice là-bas. Regardez, attendez, je vous zoome. On a un château du Moyen-Âge là-bas. Donc on va essayer de se diriger vers là-bas. On se dit que s'il y a quelque chose, bah, c'est certainement par là. Qu'on va essayer d'aller par là. On entend des gens depuis tout à l'heure. À mon avis, ouais, c'est les tribus hein, qui doivent traîner ici. On va essayer de se diriger vers le château, mais on vous promet rien. On fait tout pour retrouver l'Hiros. Mais l'adresse que la sorcière nous a donnée, bah, ça tombait pile sur le bateau, quoi. Donc on s'est dit, ouais, il faut prendre le bateau. On sait jamais, ça doit être un indice. Oh non, il commence à pleuvoir. Bon, ça, c'est vraiment enfer. Allez, à tout de suite. Ah, te voilà. Ouais. Les amis, on a coupé, on n'a pas filmé toute la quête dans la forêt parce qu'avec Jérémy, après le kayak qui s'est retourné, on était tout mouillé, tout ça. Du coup, on tourne ce truc-là le lendemain. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a pris de suivre la sorcière? On a vu bah, le château. Bah, il y avait Jérémy. Alors, le château est magnifique, mais ouais. Je pense pas que ça soit la sorcière. Je pense qu'elle a menti. Je sais pas. J'ai pas réussi à te rattraper, moi. Ah, bah non, mais de toute façon, tu nous as même pas suivi. T'as eu peur d'aller dans la forêt. En même temps, t'as eu raison parce qu'il y a eu des serpents, etc. Sérieux? On a pas tout filmé, mais on a dû se mouiller, on a dû prendre un bateau. J'ai horreur des serpents. C'était n'importe quoi. Bah, tu me diras, d'à côté du château de la sorcière, ça m'étonne pas. Hein. Elle doit s'en servir pour faire et d'ailleurs, des choses. D'ailleurs, on a même pas vu la sorcière. On va vous dire comment on a retrouvé l'Hiros. Ensuite, on a grimpé au château et l'Hiros était devant le château et la sorcière, elle a disparu, c'est ça? Elle t'a déposé devant le château. Elle a disparu. Ok, trop bizarre. Heureusement que ça s'est bien terminé. On est resté des heures et des heures dans la forêt. On a marché je sais pas combien de temps. Jérémy, ça faisait une semaine qu'il traînait dans la forêt. Oui. Comme toi, il a été abandonné par la sorcière. Et il a eu peur? Bah non, il nous a dit que... Non mais Jérémy, il m'a aidé à chercher et tout. Bon, de toute façon... Il était tranquille. Il est tranquille. Il avait un peu peur. Hein. Il t'a dit ça à toi, mais il avait un peu peur. Ouais. Hein. Oh, je me suis inquiété parce que j'ai essayé de t'appeler, tu me répondais pas. Bah, en même temps, il n'y avait pas de réseau. Hein. T'aurais vu la forêt. Bon, tu regarderas la vidéo de toute façon. Bon, les amis, quoi qu'il arrive, vous êtes encore là. Ouais. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche. Vous pouvez aller voir une autre de nos vidéos qui apparaissent juste ici. Et le clip. Peut-être, c'est ton anniversaire, c'est ton birthday. Et c'est Lyros qui va vous dire au revoir. Ciao. Au revoir. Mais qu'est-ce que j'entends? Non mais... Ah non, c'est maintenant. Pourquoi? Ah non, non, allez. C'est quoi, qu'est-ce que... Non mais qu'est-ce que... Non mais stop. Mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais? Mais là, pourquoi Jérémy? T'es là, tu gâches l'ambiance. Attends, mais c'est une blague. Qu'est-ce que tu fais là, Jérémy? Mais on prépare pour ce soir. Mais oui. De quoi pour ce soir? Mais ce soir, il y a une fête énorme à la maison là. Tout le monde, elle a tout envoyé la semaine dernière. Même lui, il a tout envoyé. J'ai rien compris là. J'étais en bas, en train de travailler. Et toi, tu devais faire tes devoirs. J'en ai. Mais ils sont faits. D'ailleurs, elle est où ta chaise de bureau? À la déchetterie. Vous avez fait la fête, vous l'avez cassée. Ouais. Bah en fait, ouais, j'étais en fait, je vais t'expliquer. Là, on était en train de s'entraîner pour danser ce soir. Et ce soir, il y a plein de gens qui vont arriver. Jérémy, il a invité ses amis. Moi aussi, j'ai invité mes amis. Là, on va aller faire les courses. On va acheter plein de bonbons, plein de boissons. Ce soir, on va faire la teuf. T'as invité combien de personnes, Jérémy? Je suis en train de regarder, moi j'en ai 88 déjà qu'ils ont répondu présent. 88. Moi j'en ai 96 qu'ils ont répondu présent. Non mais il va pas être. Non mais c'est une blague, il va pas y avoir 200 personnes chez nous là. Mais si. Non mais. Oh là là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, les amis, je comprends rien à ce qui est en train de se passer. J'espère qu'ils vont baisser la musique. Lyros, c'est la deuxième fois déjà en un mois qu'elle organise des fêtes chez nous sans nous prévenir. Elle invite des amis et à 20h, 21h, ils sont tous en train de venir devant la maison. C'est l'enfer. Bon, il faut que je trouve un moyen pour annuler cette fête. Ah, mais Jérémy. Allez, stop, je vous dis une dernière chose. Stop. Mais bon. Quoi? Non mais c'est sérieux. Jérémy, tu m'expliques comment t'es rentré ici? Bah Lyros, je t'ai dit, elle m'a invité, moi je suis passé par la fenêtre. Mais oui, parce que tu voulais pas mes 96 invités. Et ce soir vous avez tous les deux invité un max de monde. Oui, mais le problème c'est que les gens qu'on a invités, ils ont aussi invité des gens. Ouais.
C'est pas possible. Et les gens que les gens. C'est la deuxième fois en un mois que tu me fais le coup d'organiser des fêtes sans nous prévenir. Disons que la première t'as pas vraiment voulu, on s'est dit la deuxième on va pas te prévenir. Et vous allez faire quoi? Vous allez les accueillir comment ces gens-là? Bah dans la rue, ici, là on va aller chercher à manger. T'as acheté l'échelle pour la mettre là ici? Ouais, je l'ai acheté, ouais. On a une échelle aussi. J'ai une idée. Parce que là je vois que c'est impossible d'annuler la fête. Ouais, là c'est impossible. Il y a trop de monde qui est au courant. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que. Ok. Vous avez le droit d'inviter 20 personnes chacun. 20 personnes, oh non. Mais en échange. On négocie pas avec vous. Mais en échange, je dirai rien un peu Peppa Pink. Parce que là, si vous me dites, ouais, on organise une fête avec 200 personnes, j'appelle Peppa Pink tout de suite et on. Et vous allez faire un pique-nique, voilà. Ok. Ok. On leur achète de quoi faire un pique-nique, quoi. Attends, là, on doit aller faire les courses là pour les 200 personnes. Enfin, pour les. Non, 40 personnes. 40 personnes. Non, 200 personnes. On va acheter plein de trucs. Allez, vite. Allez-y. Allez, let's go. Ça va et vous? Comment ça va? Ça va et vous? Bon là les amis, j'ai pas le choix. Je suis désolé Peppa Pink si tu vois la vidéo, mais on va être obligé d'inviter 40 personnes. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ce monde arriver. Ça risque d'être ce soir. Là on va acheter plein de trucs pour les accueillir. Et moi je vais devoir faire rentrer les gens. Ils vont tous entrer dans cette petite chambre. J'en peux plus. Mais bon, j'ai évité le pire. 200 personnes, ça aurait été horrible. Les amis, ils m'ont amené au magasin du coup. Et Rose, elle veut choisir. Bon, s'il y a 40 personnes. Ouais, s'il y a 40 personnes qui viennent. Non, mais ils vont tout prendre. Parce que 40 personnes. Et j'imagine même pas pour 200. Et ils ont commandé des trucs qu'on recevra tout à l'heure à la maison parce qu'ils avaient plus en stock. Mais ils ont commandé au moins 20 bouteilles de coca, j'en peux plus, du sirop et tout. Non mais Jérémy, attends, d'ailleurs je crois que j'ai quelqu'un qui m'appelle. Jérémy, je te bannis de chez moi à chaque fois. Bah moi je le bannis pas du tout. Ouais, quoi, tu ramènes 8 personnes en plus? On a dit 40 personnes, pas plus. Ouais, t'es un bisou là. Mais on va se retrouver à 50 là, ça va être n'importe quoi. Alain, il ramène les 8 potes, tu sais, 3ème. Amis, c'est parti. Ouais. Enfin, c'est parti. Moi, je suis moyen chaud. Ouais. Parce que regardez, ils ont apporté une enceinte énorme. Alors là, je pense que si ce soir vous mettez la musique à fond, Peppa Pink qui va l'entendre, c'est sûr. Stop, il a le sommeil très profond. D'ailleurs, vas-y, mets ton truc là. Regardez, elle a voulu se changer. Ouais, je suis en pige là. Elle a voulu mettre une tenue de soirée, je sais pas. Ouais, apparemment, c'est soirée organisée pyjama. Ouais, voilà, c'est ça. Super, et là, Jérémy, il est parti aller. D'ailleurs, ça fait 15 minutes qu'il est parti chercher. Ouais, j'avoue. Vas-y, va l'aider à aller chercher tous les bonbons et tout. Okay. Parce que les amis, ils ont acheté, on ne vous a pas tout montré au magasin, mais ils ont acheté des tonnes de trucs. Non, mais j'en pouvais plus de tout transporter. Et là, mon rôle, ça va être de... Vas-y. Me dis pas qu'il y a déjà des gens devant. Ah si, il en a plein. Non. Je peux pas vous... Désolé les amis, je peux pas vous montrer le message des... Enfin, le visage des gens, pardon. Ouais. Je suis choqué, désolé, j'en perds les mots. Jérémy. Vas-y, va voir en bas. Ok. Tu me dis ce qu'il fait là. Okay. Non mais bon. Ce que les amis. Non mais là j'en reviens pas. Il y a vraiment déjà 20 personnes en train d'attendre. Alors que j'avais dit pas plus de 40 personnes. Et c'est censé commencer dans 12 minutes. Donc les gens sont déjà ultra en avance. Mais attends, Jérémy, t'es sûr qu'il est encore là? Je trouve pas. Vas-y, remonte. Depuis ta. Viens. Dépêche-toi. Il est où? Je sais pas. Non mais me dis pas qu'il est parti comme ça en nous laissant en plan. Bah j'espère pas parce que quand même Attends, je vais l'appeler. Il y a des amis. Bon attends, j'attends les j'éteins l'enceinte. Attends. Allô Jérémy? Allô? Il me répond pas. Non mais c'est une blague, il nous a laissé ici comme ça. Il nous a laissé en plan. Non mais il y a plein de gens qui viennent pour lui. Mais comment on va faire? Comment on va faire, Lily Rose? Bah on abandonne la soirée hein. Non mais on peut pas abandonner, il y a tous les gens qui sont devant. Bah ça c'est un problème. Bah oui, c'est un problème quand même. Je sais pas. Non mais surtout que Peppa Pink qui va voir tout ça. Non mais là faut qu'on dise que c'est annulé là. Vas-y, je vais faire. Attends, ce qu'on va faire. Au pire, on met un truc à la porte, faites annuler. Attends, Peppa Pink, il est en haut. Il est en haut. Ouais. Fais rentrer déjà toutes les personnes qui sont devant, il y a 20 personnes. Ouais. Tu mets un peu de musique, ok? Ouais. Et voilà. Non, c'est pas. Non, on abandonne complètement la soirée si j'arrive. Non mais on peut pas abandonner Lyra, sinon les gens ils vont devenir fous. Dans la rue. Bah. Attends, c'est Peppa Pink qui est en train d'arriver là? Non, punaise. Lily Rose, il va voir les gens devant. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais. Ah, t'étais pas en haut? Bah, non, j'étais là. C'est quoi ce bruit là? Ah, bah, ce bruit pour l'instant, c'est. C'est rien. Bah, on écoute de la musique. Tu les as cachés où les bonbons et tout?
Tu les as cachés? Je sais pas, c'est Jérémy qui les avait. Me dis pas qu'il a tout pris chez lui. J'sais pas. Ça tombe, Jérémy, il est parti avec tous les bonbons. Oh, c'est quoi le bruit dehors? Non, non, mais t'inquiète pas, c'est... Non, mais c'est juste, c'est le voisin qui organise une... Voilà. C'est l'anniversaire du voisin. Comment ça, encore une fête? Ouais, mais bon, c'est... Il va y avoir du bruit, là. Ouais, mais c'est le... Non, mais c'est le voisin, c'est pas bon, nous. Bon, bah, ça va, alors. T'inquiète pas, t'inquiète que... pas. Non, non, que ça... Ouais, non, mais, non, mais alors là, le coup de la dernière fois, là... T'en fais surtout pas. Tu devrais aller voir en haut, parce qu'il y a un nid d'abeilles. Il y a plein de hérissons. Non, mais vous vous souvenez la dernière fois, là, les policiers qui sont venus parce que... Il y a des oiseaux dans le toit et tout. Comment ça? Je regarde. Ah oui, oui, tu devrais aller voir. Bon, tu fais rentrer 20 les 20 personnes. Non, 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 non. Chut, allez. Allez, vite, va, ouais, va en haut, va en haut, va en haut. Non. Dis, Rose. Quoi? On avait dit pas plus de 40. Mais non, t'avais dit pas plus de 80. Non, ils sont 50 au moins. Oh, c'est bon, c'est pas 10 qui... Non, mais je peux pas les montrer aux abonnés, il faut pas que... On peut... Désolé, on peut vraiment pas montrer leur visage sur Internet. Sorry. Oh non, mais c'est une blague. Bon, Lily Rose, tu les fais rentrer tout de suite? Non, 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 non. Mais tu m'as dit... Je fais rentrer personne. Mais on fait quoi, alors? Bah, on reste là et on... C'est une blague. Bon, vas-y, attends. Je vais mettre de la musique. Vas-y, je mets de la musique. Comme ça, il va pas nous entendre, ok? Allez, vite, fais rentrer les gens. Bon, Peppa Pig, tu devrais faire partir les oiseaux qui sont dans le toit. Ouais. Ouais, ouais, c'est chez le voisin la musique. Vite, dépêche-toi. Non. S'il les voit dehors, oh ça... Là là. Vite, s'il les voit dehors, ça va mal terminer. En fait, les amis, si je fais ça, c'est parce que je veux absolument pas... Non, 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 mais tu vas les voir en bas. Je veux absolument pas que Peppa Pig voit tous les gens qui sont devant la maison. Sinon, il va savoir que c'est nous qui les avons invités. Vite, fais les rentrer. Arrête, arrête de traîner. Oh là là là, cette catastrophe. Bon, Peppa Pig. Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, c'est peut-être à la cave le problème. Tu devrais aller voir à la cave un peu. Ah oui. Ah, en plus, le voisin, il met Pocket Mania, hein, vraiment. Il est trop fort, là. Il est fan de Pocket Mania. Je vais aller voir le voisin. Non, 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 va pas voir le voisin. Non, mais t'es pas obligé d'aller dehors, vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec... Va voir directement à la cave. Allez, bon. Va voir directement à la cave, pas de problème. Hop, c'est bon. Hop. Pocket Splash, je te jure, j'en raffole. Bon, les amis, je pense que c'est bon. Lily Rose va faire rentrer les personnes pendant que... Peppa Pig qui est à la cave. On va mettre un panneau pour les nouvelles personnes qui arrivent, parce que là il y en a déjà 40, en disant que c'est bon, on peut plus accueillir plus de monde. Bonne nouvelle, mais en même temps mauvaise nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils veulent pas rentrer parce que je leur ai dit qu'il y avait pas Jérémy. Ah bah ça va alors, ouais. Jérémy, ils savent où il est parti? Bah non. En tout cas il a pris tous nos bonbons, etc. C'est pas sympa de sa part. Bon. Bon, bon, j'espère que les gens vont pas rester trop longtemps devant. Okay. En attendant, les amis, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche. Bon, toi, t'es déjà prête à dormir. Salut à tous les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On... Salut. Est avec Jérémy, il est en train de jouer à la Switch parce que je... Ah, ça, à mon avis, c'est Lily Rose. J'allais dire parce que Lily Rose est en train de nous préparer une giga surprise. Attends, attends, on finit. Elle est en train de nous préparer une super surprise. Bon, vas-y, ouvre, apparemment, elle nous l'a ramené. Allez, oh, let's go. Ah non. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est... Non mais c'est... Non mais qu'est-ce qui... Non mais qu'est-ce qui se passe là? Bonjour les amis, vous allez bien? De quoi vous allez bien? Mais qu'est-ce que tu fais là? Nous on attendait Lily Rose. Elle est où Lily Rose? Bah justement elle est où? Non 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 non, je sais pas où elle est. On connaît. C'est pas où elle est, Non, justement, je lui dis pas où est Lily Rose. Okay, okay. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Eh ben je venais vous voir pour vous présenter ma nouvelle baguette. Comment ça une nouvelle baguette? Elle est moche. Elle est moche. Elle est moche. Comment ça elle est moche? Vous allez voir de quelle boîte. Vous allez voir l'expérience de ma nouvelle baguette. Mais non, allez, on s'en fiche. Regarde, regarde Esteban. Cheveux touffus. Plouf! De quoi cheveux touffus? Non, non, ça va, tu te sens bien? Oui, ça va pour l'instant, ouais. T'es sûr? Certain. T'es sûr, tu veux pas aller faire un petit tour dehors? Parce qu'en général, quand elle jette des sorts, ça marche. Oui, mais oui. Attends, Jérémy, t'es sûr que ça va? Bah ouais, pour l'instant, ça va. Ouais, parce que j'ai l'impression que tes cheveux, ça... Elle rigole, rigole, Jérémy. Mais c'est une blague. Bien eu. Non, mais tes cheveux, regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que t'as fait? Et ben voilà, quand on se moque de moi, ce qui arrive. Non, mais j'osais même pas le filmer, j'osais pas te le dire, mais... Dès qu'elle t'a jeté le sort, t'as commencé à avoir des petits mais cheveux. Mais ça s'enlève pas en plus. Et oui, non, mais c'est des vrais cheveux. Et oui.
Non mais arrête de tirer les cheveux. Ah non les cheveux. Stop. Ah non mais on, d'accord, on fait ce que tu veux. Non, on fait ce que tu veux, la sorcière. Eh ben voilà, shérif, on se moque de moi. Lily Rose, viens pas, reste en bas. Non, non, qu'elle vienne, non, je vais la transformer aussi. Allez, on fait ce que... Eh ben toi, souris poilue dans ta pochus. Ah, c'est quoi ça? Ah, t'as une souris. Ah, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Garde la souris. Ah, mais pourquoi il y a une souris dans ma poche? Oh, ma souris. Ah, mais c'est une fosse. Montre. Mais non, c'est ma souris. Ah, mais ça, on dirait plutôt un furet, hein. Ah, laisse ma souris. Non mais vas-y. On te... Oh, mais j'ai rien dit là. Mais comment je fais avec mes cheveux? Mais c'est pas grave, t'iras chez le coiffeur. Ah ouais, mais non. Ah mais comment on va faire là? Attends, c'est-à-dire qu'elle est capable de nous jeter des soirées. Mais là avec sa nouvelle baguette, elle est ultra... Oh, elle est ultra puissante. Allez, on peut faire ce que tu veux, d'accord? On fait ce que tu veux, arrête. Ah, moi, bon Esteban, moi je te verrai bien... En sorcière. Non, je veux pas devenir une sorcière. Allez. Je veux pas devenir une sorcière. Sorcierus corpulus. Tire la caméra si je deviens bizarre. Allez. Non. Qu'est-ce que vous faites, la sorcière? Eh ben, vous allez pas être déçus. Alors Esteban, montre-toi. Ah, Esteban, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'Esteban s'est transformé. Alors, à cause de la sorcière. Alors lui en sorcière. Je suis tout seul. Attendez les amis. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Rien. Je suis une sorcière avec des pouvoirs magiques. Oh non les amis. Oh bah non, tu n'as pas de pouvoir magique. Mais attendez. Et moi j'ai des cheveux que je peux plus enlever. Je peux plus enlever mes cheveux. Arrêtez ça, la sorcière. Bon, si vous êtes sage, je vais te rectifier tout ça, là. Tu vas être sage, Jérémy? Je ferai tout ce que tu veux. Ah, non, c'est bon. Bon, voilà, reste. C'est bon. C'est fait. Mais attends, et moi? Attends, ah, Jérémy. Ah, je jette mon petit sac. Je sais pas ce qui s'est passé, les amis. Alors, je suis devenu... Ah, c'est bon. Voilà. Ah, c'est bon, Jérémy. Ah, mes cheveux. Ah, je me suis bien amusé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi, la sorcière, sans qu'on devienne bizarre? Je sais pas, on peut danser, on peut devenir n'importe quoi. Ah, oui. Moi, je veux bien écouter le titre Poppit. Non, on veut pas écouter Poppit, man. Comment ça, non? Non, oui, tout ce que tu veux. Non, ne jette pas de sort. Je veux Poppit. D'accord, vas-y, mets Poppit, man. Oui, sinon je te transforme en Johnny. Comment ça, Johnny? Non, c'est bon. Ah, dans le sac de Wimps. Jalouse, on s'en bat. Attends, je vais essayer les livres de Lily Rose. Dilute va venir. Oh, ça m'est vraiment super cette chanson. Oui, non, mais faut pas faire de bêtises. Hein. Je la trouve pas. Ah, Esteban! De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, il t'a transformé aussi. Oh. Attends, je coupe. C'est une blague. Je coupe. Oh. Je suis sûr, c'est parce qu'on a mis la musique. Ah non. C'est parce qu'on a mis la musique. Ah mais tu nous as dit de mettre la musique, pourquoi tu m'as transformé en Johnny? Et tu m'as cru. Qu'est-ce qui se passe? Faut vite la faire sortir. Faut la faire sortir. Mais lâche-moi. Prends sa baguette. Prends ma baguette. C'est bon, je l'ai. Mets-la là-bas, De toute façon, tu sais pas l'utiliser. Ah mais on veut juste que tu arrêtes de nous jeter des sorts. Allez, bon, je veux. Voilà. Je veux bien, mais tu me rends ma baguette. Ah c'est bon. Allez, amis. Il faut que je redevienne normal, tiens la caméra. Si tu veux redevenir normal, et ben tu me rends ma baguette. Non, la baguette, je vais la prendre tout de suite. Non, bon. La baguette, tu n'auras pas. C'est bon, Esteban? Non, la baguette. Elle a récupéré la baguette. Sur la baguette. Bon, arrête. À chaque fois, bon, moi ça va, je redeviens normal assez rapidement. Dès que je vais faire un tour à la fenêtre, c'est bon. Bon, en fait, je vais tout vous dire. Le sort ne dure que 30 secondes. De toute façon, fallait pas paniquer comme ça. Ouais, mais qu'est-ce que... Mais je vous ai bien eu. Qu'est-ce que tu veux au final? Mais moi, je voulais voir Lily Rose. Je voulais essayer ma nouvelle baguette sur Lily Rose. Ah, mais Lily Rose, elle est plus là. Je lui ai demandé de partir, là, ça y est. Comment ça? Elle est où? Elle est dans le parc? Ah oui, elle est au parc. Lily Rose, attends-moi. C'est bon. Bon, les amis, ça y est, on a réussi à peut-être s'en débarrasser. Non, en tout cas, moi, je suis devenu une sorcière, Johnny. Et moi, j'ai les cheveux de... Comment il s'appelle, Sébastien Follin? Sébastien Follin, c'est qui? Bon, ok, bon, ça va. Les amis, maintenant, on va mieux. Ah non, mais Lily Rose, elle est vraiment au parc, je crois. Attends, non, il faut pas qu'elle jette des sorts à tous les gens qui sont au parc. Ah, comment ça se fait, Lily Rose, elle est pas là? Attends, elle est où? Peut-être qu'elle est par là. J'ai croisé pas mal. Ah, regarde, elle est là-bas. Ah, c'est bon. Non, ma baguette. C'est bon.
je récupère, attends, je vais la poser là-haut. Ouais, vas-y, va la poser à côté de toutes les baguettes qu'on a confisquées. Regardez, on a un bol à baguettes. Ah oui, c'est vrai, je vais mettre dedans. On a tout un bol à baguettes. Oh, ça va. Mais elle en a combien en fait? Mais à chaque fois elle revient avec une nouvelle, elle sent de plus en plus puissante. La dernière fois elle est venue avec une baguette. Faut s'en débarrasser, tu vois. La dernière fois elle est venue avec une baguette, je pense qu'on l'a pas filmée, mais elle nous transformait en grenouille et tout. Oula, ouais, oh là. Esteban. Ah. Ah oh, mais... Non mais je viens de croiser la sorcière, elle m'a transformé en oiseau là. Mais c'est Peppa Pink. Bah oui, c'est moi, tu me reconnais pas? Elle t'a jeté un sort? Bah oui, elle fait transforme-toi en oiseau. Mais pourtant elle a plus sa baguette. Oui, mais je sais pas, c'est un sort de manipulation, comme ça, elle a fait. Ah, ok. Elle me dit, ça apprendra à Esteban et Jérémy de m'avoir pris ma baguette. Bon, bah, de toute façon, c'est censé durer 30 secondes, hein, j'espère. Bah, j'espère, parce que... Eh, apparemment, elle est partie chercher Lily Rose. Ok. Non, t'inquiète pas. Bon, les amis, on va essayer de régler le problème de Peppa Pink. T'es sûr que ça dure 30 secondes? Oui, ah, bah, c'est ce qu'on m'a dit, hein. En attendant, les amis, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne, activer la cloche. Ah, c'est bon, il est redevenu normal. Et cliquer sur une vidéo qui apparaît juste ici ou une de nos vidéos qui est là, elle est sur la chaîne. Voilà, vous connaissez la chanson. Et à la prochaine, bah. Bye bye. Je l'ai entendu là, j'en suis sûr. Mais. Jérémy, qu'est-ce que tu fais là? Jérémy? Ah, arrête. Mais pourquoi tu te caches? Mais t'as pas entendu? De quoi? Mais si, j'ai entendu un bruit, mais pourquoi tu te caches? De ouf. Bah ben oui, ça fait peur, mais bon, c'est pas une raison de se cacher comme ça. Mais si! Il faut trouver une solution, il faut trouver ce que c'est. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est quoi ça? Je sais pas! Les amis! Je sais pas. Non, mais c'est dans la chambre! Ah, mais ça fait. Attends, je sais pas où c'est, mais. Moi, je préfère rester en dessous! Non, mais reste pas en dessous du bureau, ça sert à rien, ça sert à. J'allais dire Lily Rose. D'ailleurs, elle est où? Je sais pas. Non, mais attends, t'étais censé. Ah non, j'ai pas surveillé, non, c'est toi, tu m'as dit cette fois-ci, je la surveille. Censé surveiller? Non, tu m'as dit, c'est moi, je la surveille! Mais si, pendant que... Non, mais c'est une blague. Jérémy. Tu m'as dit, je la surveille. Je t'ai dit de surveiller Lily Rose pendant 5 minutes tu avant d'aller faire des courses. Tu m'as dit, je la surveille, je la prends avec moi. Oh, punaise. Bon, c'est pas grave. Les amis, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, vous êtes dessus. Mais on entend un bruit super bizarre qu'on n'a jamais entendu. Moi, il me fait flipper ce bruit. Mais ça ressemble à quoi? Parce que là, j'ai aucune idée de ce que c'était. C'est ni Sirenhead? Non. Non, c'est pas Sirenhead. C'est pas la sorcière. C'est une espèce de... Alien, peut-être. Ah non, c'est pas un alien. Les aliens, ils faisaient... Ah oui, c'est vrai. Ouais, ils faisaient un truc comme ça. Ah, d'ailleurs, attends, parle pas trop fort, ils vont peut-être arriver. Ouais, ouais, c'est ça. On va éviter de parler. On va éviter de les appeler, je pense. On va éviter de parler des gens qui sont ça pas là. Pas du tout. C'est un bruit sourd. J'ai l'impression que c'est des murs. J'ai l'impression que c'est dans les murs. C'est Romain. C'est un truc de fou. Vas-y, regarde derrière le lit, peut-être. Je sais pas moi, c'est bizarre que ça fasse ça. C'est pas là? C'est bizarre. Non, y'a plus de bruit là. Attends, y'a quelqu'un qui m'appelle. Y'a un numéro masqué qui m'appelle. Oh non, encore. Allô? 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 Personne? Ça répond pas. Allô? Bonjour! C'est quoi? T'as entendu? C'est quoi ce truc? C'était quoi ça? Ça m'a dit bonjour, blablabla. Non mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce délire sur la page d'avant? Non mais attends, c'est un truc de dingue. Bon les amis, je sais pas si c'est un nouveau monstre, un truc comme ça qui est chez nous. En tout cas, bah non mais c'est pas que tu... Non mais il faut trouver la solution. Que tu viennes plus, bon tant pis, mais là le problème c'est qu'il faut trouver ça. Bon attendez, c'est quoi ce truc? Vas-y, les amis, je vais... Ah bah tiens, un message. C'est qui? C'est un message. Attends. Pas de numéro? Attends, il n'y a pas de numéro, c'est un numéro masqué. Et ça nous dit rendez-vous à cet endroit et ça m'envoie un lien Google Maps. Clique pas dessus. Bah si, je vais cliquer dessus, attends, c'est sur Google Maps. Attends. Ça mène où? C'est quoi ce bazar? Ça me met la page, ça me met une page avec, avec un point dessus. Il faut qu'on y aille. C'est à combien? Moi, je suis pas chaud d'y aller. Hein. C'est à 15 minutes d'ici. T'es chaud d'y aller, toi? Bah ouais, de toute façon il se passe des trucs bizarres dans la maison, on nous donne un rendez-vous, il faut y aller. Je suis pas chaud. Mais vas-y, ça tombe, on va découvrir qui fait ça. Ah non, parce que moi je laisse pas, parce que les amis, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez qu'on entend plein de bruits chez nous. Notre maison elle est un peu hantée, on entend des bruits des fois la nuit, des fois même le jour, etc. On n'a jamais réussi à résoudre ce problème. Là il y a un nouveau bruit, il y a un nouveau problème. Si on peut le résoudre avant que Lily Rose revienne en plus, pour éviter qu'elle ait peur, ça serait nickel. Hein. Non, mais bon, je suis pas chaud. Ah non mais si, Jérémy, faut y aller.
Allez, on y va. Bon, les amis, moi je dis pas comme Jérémy, j'ai très envie d'y aller parce que j'ai très envie de résoudre ce problème. J'ai envie de découvrir qui nous pose ce problème là. Donc croyez-moi qu'on va le faire. Allez, c'est parti, on y va. Vas-y, on y va. Le bruit recommence, j'éteins la lumière, on y va. Allez, let's go. C'est pas possible, faut y aller. Allez, let's go, les amis, on y va. C'est bon, les amis. On est dehors, là on est arrivé dans une petite ruelle et on est juste à côté de l'adresse. On espère que vous nous entendez bien parce qu'il y a énormément de vent. Et pour l'instant on voit rien, il n'y a personne au lieu de rendez-vous. Et on se demande pourquoi on est venu. Parce que ça tombe, c'est un piège. Prank. Ouais, un prank ou un piège. Attends. Là-bas. Ah ouais, c'est ce gros bâtiment là. Non mais il n'y a absolument rien ici. C'est trop bizarre. Bon, vas-y. Les amis, on va continuer à avancer. On vous reprend dès qu'on voit quelque chose. Mais pour l'instant, rien à signaler. Vite, viens, Jérémy. Les amis, cache-toi. Là, je viens de reprendre la caméra. Les amis, on est allé dans une autre petite rue comme ça. Et là, on vient de voir quelqu'un qui nous observe depuis au moins 5 minutes. On se sentait un peu suivi. Et la personne, on s'est rendu compte qu'elle nous suivait vraiment. Parce que dès qu'on l'a regardée un peu avec insistance, elle s'est enfuie. Donc il y a bien quelqu'un au rendez-vous. Non mais elle est partie par là. Bon les amis, franchement c'est trop bizarre. On se sent observé. On dirait que tout ça c'est un piège. Que c'est quelqu'un qui a mis une enceinte chez nous pour faire un bruit bizarre. Et Non, c'est pas Peppa Pig qui fait ça. Ni Lily Rose. Lily Rose elle fait pas des blagues comme ça sur les trucs hantés. Peppa Pig non plus. Attends mais la personne elle est juste là. Attends mais t'as vu sa taille ou pas? J'avais pas vu de loin, mais elle fait au moins 3 mètres. Ouais, 2,80. Attends, vas-y, on se montre pas. Les amis, je vais pas vous la montrer en vidéo parce que après, quand on montre des inconnus comme ça, on peut avoir des problèmes. Donc, je vais pas le montrer. Mais vas-y, reste caché. On reste caché dans ce coin. Comme ça, toutes les personnes qui passent, on peut les voir. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que moi, je m'attendais à voir, étant donné le bruit, je m'attendais à voir un monstre un peu comme Sirenhead, un truc comme ça. Donc là, on dirait une vraie personne, mais qui fait 3 mètres. Donc, qui est beaucoup, trop, beaucoup plus grande que nous, quoi. Attends, c'est parti. Vas-y, tu me dis si tu la vois. Les amis, je vais vous montrer un truc. On est exactement à l'endroit que la carte nous montre. Donc c'est un... Attends, T'entends le bruit? Ça vient de ce boîtier là, je crois. Attends. C'est peut-être ici hein. C'est peut-être ce boîtier là qui fait ce bruit là. Non, touche à rien. À moins qu'il y ait des enceintes cachées partout. Non mais j'ai l'impression qu'on entend ce bruit partout depuis tout à l'heure. On n'arrive pas tout le temps à le filmer mais on n'arrête pas d'entendre ce bruit. Bon, vas-y, on essaie de partir. J'ai l'impression que la personne n'est pas spécialement là. Mais c'est quelqu'un qui nous observe en tout cas. Les amis, on n'a pas de problème avec ça. Si cette personne regarde la vidéo, on veut aucun problème. Laissez-nous tranquille. C'est juste qu'il faut arrêter de faire des bruits chez nous. Parce qu'après nous, on a peur, etc. Quand on veut dormir, quand on travaille, etc. D'un coup, on entend ça, ça nous dérange. D'ailleurs, moi, je veux plus dormir chez toi, c'est mort. Ah non, mais c'est pas grave. Ça, si tu veux plus dormir chez nous, tant pis. Hein. Tant pis. Bon, allez. En tout cas, nous, on va rentrer chez nous. Et on vous prévient s'il y a encore un bruit, les amis. Parce que je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. Un gars de 3 mètres, franchement. On va essayer de prendre une photo au loin où on floutera son visage pour vous montrer. Ce sera peut-être en miniature. Les amis, on est rentrés en courant. Il y a un mec qui nous suivait. On a réussi à prendre une photo au loin. On espère qu'on pourra vous la montrer. Non, mais bon, c'est un truc de ouf. Attends, je suis fou. On a dû courir. Il s'est mis à courir après nous. Alors, il a des grandes jambes en plus. Ah, il avait des jambes de ouf. Voilà. Ouais, quand je vous ai dit 3 mètres, c'est vraiment 3 mètres. Et on a dû courir et il faisait exactement le bruit que vous avez entendu au début de la vidéo. Là, c'est flippant. Donc c'est une nouvelle créature, on sait pas qui c'est. Et apparemment il cherche pas Lily Rose, il cherche pas Peppa Pig, mais il cherche Jérémy, donc la personne qui est juste là hein, bien sûr, pour ceux qui l'avaient pas compris. Donc on comprend pas comment t'as eu cette malédiction sur le dos, comment c'est possible. Peut-être attends. T'as pas fait une bêtise récemment, t'as pas lu un livre de magie parce que maintenant Jérémy... J'ai acheté un livre de magie, ouais, mais... Maintenant Jérémy, il est beaucoup chez nous, donc peut-être qu'il y a un fantôme de la maison qui a prévenu ce gars-là qui fait 3 mètres. Hein. Du coup, bah tant mieux. Maintenant, les malédictions, elles sont plus sur nous, elles sont sur toi. Oh, ouais, non, donc j'espère qu'elle va te suivre chez toi parce que j'en peux plus d'avoir des trucs chez nous. Ah bah je reste chez toi, du coup.
Les amis, peut-être que cette personne reviendra. Jérémy, je pense qu'il reviendra, c'est sûr. Oui, peut-être que ce truc de 3 lettres reviendra. En attendant, hop, on change de sens. À la prochaine, bye bye, likez, commentez, allez voir une autre vidéo, allez, ciao.